Exiles, ici Zelk en compagnie du doux, du magnifique, du sublime Gecko. Salut ma biche, comment ça va? Eh bien écoute, ça va très bien, ça fait très plaisir de te revoir mon cher Zelk pour un nouvel épisode. Un nouvel épisode de Path of Exile, les gars, l'acte 4 est sorti, putain, venez jouer avec nous. Enfin peut-être pas avec nous parce que voilà, mais si avec nous quand même. On ne mettra pas nos noms dans la vidéo. Voilà, on a des nouveaux persos comme j'allais dire. Faut savoir que moi, mon perso qui est ici, bah, est un peu plus level up parce que j'ai déjà fait l'acte 4 une fois parce que j'étais trop chaud le jour. Non, il a fait 5 fois moi. J'ai rush pendant 24 heures sans dormir. Enfin, le bordel le plus total. Et lui, il a pris son temps, etc. Donc voilà, nous y voici. Lui, c'est sa première fois, donc je vais le guider à travers les méandres exactement, de l'acte 4. Exactement, il va me spoil comme un gros tarde. Mais oui, exactement. Donc à la fin au combat. Gros salaud. Donc c'est parti, chers amis. J'espère que vous êtes chauds. J'espère que vous êtes avec nous. On va aller défoncer les maps. Nous voici on va sur défoncer les maps. Donc mais... en ce qui me concerne, j'ai fait ça un perso avec un petit build sur basé sur iShot. Vous allez voir, c'est sympa, c'est de la haute sympathique. Et c'est un dragon, ou c'est moi, Jean-Antonin Dragon. Ah oui, parce qu'il y a des nouveaux mobs, ma biche. Ah putain. Bah oui, j'imagine bien avec 4 nouveaux mobs. Et toi, tu as fait un build assez spécial qui est basé sur la pluie de feu, si eh je oui, ne m'abuse. Oui, dis-moi ça. Un build pluie de feu, c'est absolument inédit. Oh, t'auras. Mais moi, je sais pas toi, mais tout mon pexing, je l'ai eu dans. Enfin, pas elle. Mais j'ai eu un master dans chaque zone, quoi. Ah, nice. Ils sont tous level 2. Ici, moi. On se retrouve sur les aqueducts, donc c'est la première zone de l'acte 4. Juste après avoir battu Dominus, il y a une petite porte entre guillemets qui s'ouvre sur la droite. Non, en fait, ce qu'on prend. C'est, en fait, on prend un élévateur qui nous fait descendre sur les aqueducts. C'est un truc assez sympa. Assez sympathique, et c'est parti. Bon, on va le rouler dessus. Ah, c'est sympatoche, allez, les démarches. Le mec, pour vous dire, il est déjà level 45, je suis level 35. Un truc à savoir, c'est que. Ah putain, enculé. Ah bitch. Non, ta mère. Ouais, donc un truc à savoir, c'est que le level au fait 45, c'est le level max de la zone de l'acte 4. Voilà. Voilà, donc plutôt pas mal, donc je vais prendre 10 levels d'ici là. J'ai pris un point de talent d'ailleurs, je vais le mettre tout de suite. Vous voyez un peu mon build, hein, je suis parti sur les trucs basiques de Hunt, on va faire un truc sympa, on va aller chercher le Avatar of Hunt pour avoir Mass Damage, parce que c'est bien mass trop classe. Mass Damage, moi j'aime bien les damage. On va monter ça, allez hop, c'est parti. Donc faut que tu débiles un Warbonds. Warbonds. Faut savoir aussi qu'on est dans la Ligue Warbonds. Oui, donc on a tout recommencé à zéro, bien entendu, si vous ne connaissez pas les principes de League, c'est comme sur... bon, on l'a déjà expliqué, je pense, dans les premières vidéos de Path of Exile qu'on a fait ensemble. D'ailleurs, allez les voir parce qu'elles sont trop cool, c'était notre toute première vidéo ensemble et franchement, ça vaut le détour. C'est de la merde, les gars! N'hésitez pas à nous insulter dessus. Surtout si vous voulez ne pas m'entendre, vous pouvez aller voir les trois premières. Eh ben, c'était notre toute première vidéo, donc on pluguait à mort, on connaissait exactement, rien. Exactement, oui. Si normalement ça devrait être tout devrait être parfait. Donc en fait la zone ici elle est toute simple comme tu vois, en fait c'est tout droit sauf que sur les côtés il y a des packs de bleu, ce qui est assez bien pour le pex. En gros si tu veux tu vois ça, en fait, c'est comme ça que tu fais quoi, tu prends à chaque fois tout droit puis dès que tu prends un petit côté. Ah ouais t'as Blink Arrow, un truc comme ça. Oui j'ai gardé Blink Arrow depuis c'est pété ça, enfin, c'est pété. Parce que en fait je vous explique vite fait. J'ai commencé l'acte 4, allez on va dire presque une petite semaine après sa sortie. Le mec m'a dit bien, on fait un perso ensemble, etc. etc. on a joué à l'après-midi, on a fait les deux premiers actes tranquilles. T'inquiète. On a fait les deux premiers actes tranquilles. Et puis, enfin, moi, je travaille un peu en ce moment, etc. Donc, j'ai pas trop le temps de jouer, machin. Et je t'ai pris un truc sous le nez, mais ça c'est pas grave. Oui, vas-y, ramasse aussi, c'est pour toi. Et j'arrive deux jours plus tard, le mec level 50. Enfin, moi j'étais level 20. Ouais, mais et, chers amis, faut comprendre que j'ai craqué. Ah, attends. Robot, ouais, sa mère! C'est juste un boss de zone. Bon, mais voilà, ouais, d'accord. Le mec n'a pas eu le temps. Ah, on va dire que j'ai des damages. Hein. Ouais, on va dire que tu vas te barrer quand je vais voir des boss, comme ça je vais pouvoir jouer un peu. Ouais, si tu veux, je te regarderai de loin faire les boss et je t'expliquerai les strats. Je ouais, d'accord. Ton copilote, tu vois. Genre gauche-droite serrée, chicane à gauche-gauche. C'est vrai. Gauchiste. Gauchiste sur crête. Ouais, donc en fait, chers amis, j'ai complètement craqué. Donc en fait, ici, je joue une Witchfire Storm qui est pour l'instant un boy très méta dans l'acte 4. Parce qu'en fait, le spell a été buff récemment et il est devenu juste broken en fait pour level up. Et donc, c'est chouette, tout ça. Mais j'ai voulu faire un putain de tank. Et au final, bah, j'ai fait un putain de tank et il est jouissif à jouer. En gros, à savoir que je suis level 55, j'ai 3500 PV, j'ai 95% de réduction de dégâts physiques. Je tanque le monde. Voilà, donc, le après, mec se met contre, bien je fais quoi. Pas énormément de dégâts. Hein. C'est genre pour tuer un boss, il me faut plus ou moins 5 minutes. Mais en attendant, pour que le boss me tue, il faudrait plus ou moins 3 ans. Donc c'est assez rentable. Moi j'aime bien.
Sympathico-sympathique, je dirais. Ah bah, on va arriver à la ville, mon cher ami. À la ville. Du bambou, tu vois, il y a du bambou. Et bien du bambou. I kid. On va tomber sur des pandas et des bambous. Non, on n'est pas chez les pandas. Les pandas rennes, tout ça, tu laisses ça sur vous. Nous, ici, on est des humains. Désolé pour le petit temps de chargement qui est un petit peu long. On est quand même sur Path of Exile. Hein. Non. On est sur Path of Exile. Le jeu, quand vous vous connectez, ça vous prend une demi-heure. Alors, qu'est-ce que t'en dis de la ville en elle-même? Je sais pas, moi je viens de prendre une quête tellement j'ai l'habitude de rusher le truc, tu vois. Enfin, t'as le mec n'a regardé à rien et tout. C'est le décor, mon gars, parce que c'est superbe. On va prendre les quêtes. Il y a plein de petites animations et tout, genre au-dessus de la femme qui est là, Kira, regarde, juste au-dessus, t'as un mec qui est en train de faire son potager, c'est juste génial. À gauche là? Ah oui, regardez là. Ça va, gros? Tranquille. Ils ont fait un putain de travail, donc viens par ici maintenant. Une bonne courge, sympathique pour le col. Quoi? Oui, j'arrive. Que se passe-t-il? Oh, il empiote. Bonjour. Et la belle statue et tout là. Oh, fais voir. Un dragonnet. Oh la salaud! Que fait-elle là? Ce time is come. Ok, d'accord, je vais pas vous faire le speech parce que franchement, je connais pas l'histoire du jeu. C'est bon, t'as donc pris la quête? Il y en a une quête en bas, il y a un mec là, il y a un mec qui médite. Ouais, vas-y, prends lui aussi. En fait, en gros, pour faire le pitch, maintenant, on arrive au sommet du monde, entre guillemets, ce qu'ils appellent ça. C'est donc les montagnes qui bordent toute la ville de Sarnes, etc. Et c'est de là d'où vient le grand cataclysme qui a créé les morts-vivants, etc. Enfin, tout le gros bordel. Et il semblerait qu'il y ait une espèce de créature qui crée ce cataclysme. Et notre but ici, c'est d'aller lui péter la gueule. En gros, il y a deux morts qui sont sortis de son trou, il faut le buter, quoi. Ouais. Donc viens par ici, ma biche. Attends, je vais. Faut que je vende des objets. Parce ouais, que, ouais, en fait, je viens de tuer Dominus, hein. Donc, je suis pas encore vendu de tout, mais je vais. Pure chasse, non, c'est pas ça. Y a un mec pure chasse, tout à fait. Ça me fait penser à J'ai looté un truc, je pensais à toi. D'ailleurs, il est plus dans mon inventaire, c'est une carte de divination. Ah oui. Tu m'avais expliqué ça l'autre jour, mais après, je pense qu'on expliquera ça dans une prochaine vidéo. Hein. Ah, si tu veux, je peux l'expliquer tout de suite. C'est très simple. Pour les cartes de divination, ce sont des cartes que tu peux looter. Dans différentes zones, donc chaque zone a ses cartes. En fait, en gros, c'est différent. En gros, il y a énormément de cartes différentes que selon ta carte que tu as. Donc, tu vois, il en faut 4 pour avoir un item. Donc là, par exemple, tu as quoi comme carte? J'ai une carte qui se nomme Life Armor. Ouais, c'est ça. Donc, de carrière. Avec un accent anglais. Si tu en obtiens 4, tu les échanges au mec qui est ici, donc Tazuni. Yeah. Et il va te donner une armure avec un notes de vie. Et en fait, ça peut être merdique comme ça peut être super bien. Après, par contre, il y a des sets de cartes qui vont être beaucoup plus rares et qui te permettent d'avoir un unique à 100% de chance. En fait, c'est pété. Ça pousse les joueurs à farmer les zones à haut level. Enfin, je veux dire, à farmer les zones en dehors des maps, zones, non quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est bien parce que ça permet aux gens de pouvoir farm et aussi d'avoir un but dans le farm. Pas juste, ouais, je vais farm pendant 3 jours, 3 nuits pour pouvoir choper un item unique. Là, au moins, t'es sûr de ce que tu vas avoir à la fin. Genre, si tu veux faire un build qui se tourne autour d'un unique. Bah tu sais où aller farm pour avoir cette unique. Pour avoir cette unique, ouais. Le taux de drop des cartes est très faible aussi, c'est genre presque un unique, tu vois. Mais, voilà, t'as des chances, et tu sais quoi faire exactement. Donc ici on est dans Dried Lake pour aller combattre le premier boss de l'acte 4, chers amis. Déjà ? Eh oui, ouais, je te dis, c'est, franchement l'acte 4 c'est l'acte des boss. Il y en a d'ailleurs, de ce que tu m'as dit, il y a 8 boss dans l'acte 4. 8 boss. Ce qu'on va faire... 8 gros boss, entre guillemets. Oui, on va dire 8 gros boss. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous cut l'acte 4 en 8 vidéos distinctes, comme ça vous aurez chaque fois la strat sur une vidéo, etc. Et vous pourrez directement aller au boss que vous voulez, si jamais vous avez un problème sur un boss, vous allez... Tu vois, un Cobalt Jewel. Ah, d'accord. Je pense que j'ai dû en loot, mais je les ai même pas ramassés, enfin, j'ai fait attention à rien. Ah, faut les ramasser, oui, parce que ça c'est aussi nouveau, chers amis, dans l'acte 4, en gros maintenant il y a des joyaux qui peuvent aller en fait dans votre skill tree, donc dans l'arbre de talent, et ça. Qui peuvent changer assez drastiquement votre style de jeu ou améliorer, etc. C'est pas ça. Et ça peut donner des bonus, etc. C'est pas ça. Bon, par contre, faites pas l'erreur que c'est comme pas j'ai ça. Fait moi, j'en ai ah, corrupt. C'est ça. Et corrupte un joyau, c'est de la merde. Qu'on se le dise. Alors, je vais vous montrer. Genre ici, j'ai un joyau là, pouf. En fait, ce qu'il faut faire, moi comme un con, j'arrive juste à dextérité plus 10 là. Puis je me dis putain, trop cool, j'arrive directement au joyau. Je prends mon joyau, je le mets dans le socket, mais non. Il faut mettre le point sur le socket avant de pouvoir mettre la gemme dedans. Donc vous êtes carotte. Ah oui. Sinon ça serait un peu. Donc là 20 dex, 6 to all elemental resistance, c'est plutôt pas mal, mais c'est pas très fort, mais c'est plutôt cool. Oh, c'est bien pour démarrer. Là, ouais. Je commence à en avoir des meilleurs, mais bon. Comme je te disais tout à l'heure, j'en ai corrupt un. Et j'aurais pas dû. Je me suis dit, ouais, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de mal, tu sais. Et en fait, je suis passé du même joyau que toi, donc 22 dex et 6 de. Non, 22 dextérité et 6 à toutes les résistances, à moins 1 de frenzy charge maximum. Moins 1, pas plus 1.
J'étais un peu déçu, tu vois, pour le coup. Ah, moins ça, bah oui, écoute. Cette merde, ça sert à rien. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils ont même changé les textes à ce moment-là, du style laisse la peur te consumer. Genre, rejoins le côté obscur de la force. Genre, tu sers à queue. T'es nul, mais tu seras encore plus nul. Bon, t'es où, Jean-Jacques? Je sais pas, moi j'ai tué des choses. Ah, moi aussi, donc je comprends pas. Y'a un exile ici. T'es où? J'arrive, Loulou. Calme-toi, Loulou. Elona. Elona, je m'appelle Elona. Alors, moi je pense que je te prends. Doucement. Hop. Je laisse tout, de toute façon. J'ai besoin de rien, donc bon. Tu peux voir, les nouveaux mobs sont assez stylés aussi. On va prendre ça. Je t'avoue que là, tout de suite, je loot. Ruby Flask. Mais loot donc. Maximum Power Resistance en balance. Scroll of Wisdom. Ah tiens. Un endroit. Une zone. Ouais, il y a sûrement une Tora. Tu vois, je te l'avais dit. Hein. Avec moi, tu vas tomber tout le temps sur un Master. On l'appelait l'homme au Master. D'ailleurs, comment il s'appelle l'autre là, Vagan? Mais j'y touche plus à ce connard. Ouais, il fait trop mal. Hein. Là, t'as pas mis Lesser Multiplayer Projectile sur ton Nice Shot? J'ai pas. Les links? Attends. J'ai 3 links, mais attends, j'ai quoi? Putain, bah, je sais pas, je me gourde de touches. J'ai hypothermie, high shot et faster attack. Faudrait peut-être mettre les sur multiplayer à la place de faster attack. Ouais, j'aime bien. Sauf que t'es un peu plus de clear de zone. Ouais, après, c'est toi qui vois, hein. C'est ton perso après tout. J'aime pas, il faudrait un truc comme j'avais sur ma. Sur ma sur le ciel. Incinérateuse. Mais une chose qui fait 5 rayons en même temps, y'a pas moyen là. Bah, tu peux avoir Greater Multiplayer Projectile, tu tires 5 arrows à la place d'une. Ah, ça me plaît ça. Ah, ça te plaît, hein. Bah, on l'aura bientôt. Ah, parfait. Quoi? Bon, là on n'est pas dans le bon chemin, normalement c'est vers la gauche, donc on est vers la gauche. On est vers la gauche ça. À gauche! D'autre gauche! Tout dépend comment on se place. Tout dépend de comment on est. Là, exactement. Mais là y'a un jaune là. On va faire hop! Tout est dans leur gueule. Mourez les gens. D'ailleurs, je sais plus ce que je voulais dire, mais je pense que c'était un truc cool. Ouais, ça a l'air bien ça. Ouais, ça a l'air pas mal comme concept. Et moi par contre, je suis vraiment choqué par ce spell de la Firestorm pour l'instant dans l'état actuel des choses, c'est Nawak mon gars. J'ai un truc que tu m'as dit qui était cool pour moi. C'était Weapon Elemental Damage, je viens de le loot là. Ah bah c'est good ça, ouais en effet. Bah, sauf que tu joues High Shot et que t'as 60% ou 40% des dégâts qui sont convertis en froid, tu gagneras directement 30% en plus là-dessus. 40%. Ouais, enfin bref, tu m'as compris. 40-30, c'est pas pareil. Hein. Mais ouais, donc moi je suis vraiment choqué par Firestorm, mon gars. En fait, en gros, tu vois la vitesse de clear que j'ai maintenant? Oui. Bah, c'est la même que quand j'ai commencé l'act. Je clear aussi vite, en fait. Y'a pas de différence, c'est Nawak. D'accord. Ah, c'est un mini-boss, ça. Et un mini-boss bien casse-couille, il a le même skill que toi. Regarde derrière toi, là. Tu vois le mec qui tank le monde, là? Bah, en fait, il peut se TP, ou alors, je sais pas si c'est lui ou c'est celui de gauche, maintenant. Ouais, c'est celui de gauche, c'est celui-ci, ou celui-ci. Tu vois, en fait, celui-là, derrière moi, il peut pas faire la différence. Ah, c'est celui-là. C'est nul, ça. Oh, mais il a loot un arc. Un Death Bow. Death Bow. I need it. I think I need it. 25-67. 17-53. Changeons. Et il y a un chromatique ici aussi. Bon, je t'explique rapidos pour le premier boss. Non. Ou je t'explique quand on y est. Ouais, pendant le combat. Pendant le combat. Ouais, moi je suis pour. Tu restes à côté, vu que je suis là en plus, tu vas galérer. Parce qu'il aura plus de PV. Ah oui, c'est vrai, plus de dégâts, plus de tout. C'est pour le challenge, exactement. Et au pire, je te donnerai un petit boost de DPS de temps en temps. Putain, mais j'ai plein de chroma là, trop cool. On arrive déjà au premier boss? Ouais. Donc, après, il est pas compliqué. Enfin, pas compliqué. C'est un style de Dominus. Ouais, ça va. Gentil alors. Ouais, il est mignon, tout ça, tout plein. Je sais pas s'il est pas dans le camp ici. C'est un gentil monsieur, Dominus. Il est dans une espèce de camp en fait. Peut-être au nord. Ah, voilà Tora. On s'en fiche de Tora. Au nord, il y avait Dominus. Au sud, il y avait je sais pas qui. Une rime en us. En us. J'avais Jean-Claude Us, mais ça fait bizarre. Jean-Claude Us, ouais, exactement. Ça aurait fait très très bizarre. Donc non, on va pas faire cette blague, qui est absolument nulle. Hein. Celui d'en passant. Prends la chromage, puis place. Sauf si t'as trop de chroma. Ouais, de toute façon je m'en fous, là je commence à être déjà bien. Je cherche le boss là pour l'instant, modèle. Tu fais chier, modèle. Le mec il arrive en mode... Ah oui, mais alors... Alors le mec, ce mec a le sens de l'orientation, ça fait 15 en fait, hein. Et encore, et encore. Je pense que vous le savez déjà d'ailleurs.
je vais vous le dire. Une fois ou deux, ou trois, ou quatre. Moi je vais repartir au début, je vais partir à gauche de base en fait, tu vois. Genre là-bas. Je pense que je vais me heurter un mur. Exactement, je me suis heurté un mur. Ok, fuyons. Est-ce que ça fait mal? Si c'est à droite, je t'insulte. Gentiment. Mais sûrement. Mais sûrement, exactement. Toujours gentiment. Qu'est-ce que je vais dire? D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo, les gars. Hein. Bien sûr, n'oubliez pas les commentaires. Très très important. Dites-nous ce que vous en pensez. Insultez Zelk parce que c'est un gros salaud. Je vous emmerde! Dites-nous ce que vous voudriez voir, ce que vous voulez qu'on fasse, ce que vous voulez qu'on fasse. Ouais, n'hésitez pas aussi si vous avez des propositions de bug ou quoi que vous voudriez qu'on ouais, fasse. Genre. Mais c'est Gekko qui détestera. Ah, hein. Tiens, vol. Ah, bah tu l'as trouvé! Ouais, t'inquiète, je peux le faire. Allez, easy. Bon, alors, c'est simple. En gros, essaye de plus ou moins rester au cac. Il est dès que tu sors un peu de sa range, d'accord. Voilà, exactement. Il a un putain de dash sur ta gueule. Ensuite, quand tu vois qu'il lève sa masse bien en l'air et qu'il la bat ensuite, ah oui, je vois. Reste pas au cac, tu vas mourir. Et et en troisième, il va resummon tous les morts autour de lui et tu dois les retuer à chaque fois. Du coup, je te regarde. Ouais, ça va, vas-y. Je suis derrière une palissade. Je suis planqué. Oh, fils de pute. Pardon. J'en suis désolé. Désolé. En fait, je sais ce que je vais faire, je vais tuer les ads. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Parce que là, ça prend trois plans. Non, mais en vrai, ça va, il est pas. Non, il est pas super compliqué, tu vois. Il est très prédictible. Predictable. Predictable. Prédiction. Là, il va charger. Tu vois, on voit bien. Ah non, il va pas charger, il va summon, ok. Mais tu vois bien ces spells-là, il charge. Oui, 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 on les voit bien. Super simple. Par rapport à d'autres boss de ce jeu, ils ont bien fait en sorte qu'on puisse anticiper, hein, ou prévoir, mais pas prédictible. Ses compétences. Enfin, vous voyez, il y a vraiment des effets qui sont autour du boss quand il est en mode vénère. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment t'aurais du juke. Ouais, mais j'ai oublié de dash. Alors, on voit bien qu'on peut bien esquiver, hein, donc du coup, je reste bien sur sa route. Puis parce que voilà, fuck ah, un Royal Bow. Non, je m'en fiche d'un Royal Bow. Non, mais en fait, j'ai un TP, mais. Pff, voilà quoi. Allez, viens, retourne en ville. Tiens, gros, prends ça. Mais pourquoi tu veux que je prenne ça? C'est quoi je t'ai donné? Ouais non, c'est pour prendre l'objet de quête en fait. Ah oui d'accord. Et du coup j'ai déjà pris deux levels depuis tout à l'heure. Bah ouais tu vois, ça, franchement la zone elle est géniale et tu pecs assez rapidement. Alors, ce qu'on va faire. J'ai plus beaucoup de Scroll of Wisdom. Bah moi je te propose déjà de couper la première vidéo. Comme ça, ah, c'est très bonne idée, ouais, exactement, exactement. Voilà. Et comme ça on vous dit à tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous dire tout de suite, nous on va arranger notre inventaire, tout ça, et puis on reprend dans 2 minutes, enfin dans 2 minutes pour nous, dans 2 jours pour vous. Minimum, ou 2 mois, sait-on jamais. Exactement, parce que depuis la dernière vidéo, il y a au moins ça qui est passé, et on est complètement désolé. Ouais, ouais, bon, trop de taf, tout ça. Plein de choses. Les examens. On ferait une super vidéo récapitulative avec tout ça. Très bientôt. Oh, tiens, j'ai looté un très bientôt. Ah oui, bah GG. Voilà, à tout de suite. À tout de suite, les amis.